Ah putain, moi je croyais que c'était juste un mob, un demi-boss, tu vois. Je pensais pas que c'était un mob normal, putain. Oh là là, oh, j'ai le seum. Oh, putain, mais ça va être dur. Ah, ça va être dur. Ah, mais du coup, c'est terrible de jouer poison contre eux, en fait. C'est vraiment pas bon, hein. J'ai pas envie de perdre mon armure par contre. Bon, on va sûrement crever, hein. Comment je fais ça? Faudrait le jeu parfait, tu penses? Je pourrais faire la frappe assassine. Et là, limite, je fais ça et ça. Plus le shield. C'est ok en vrai. Honnêtement, je pense que c'était le bon focus, la chauve-souris. Comme ça là j'ai plus de problème avec le bouclier. L'anti-blindage c'est quand même un problème quoi. Ça on va le garder. On va juste faire ça. Moi je vais quand même le taper en vrai. Lui mettre un max de dégâts pour son attaque qui fait en fonction de ses PV. Je sais pas s'il l'a fait à partir d'un certain moment. Je pense. On va tèche quoi, on tèche ça, je pense. Ok. Et là, je vais faire ça. 18, ok. Tac. Hop, assassine à 0 dégâts, bien évidemment. C'est cool ça. Ça fait zizir. Problème là, c'est que je peux rien faire en fait. Après, je pourrais toujours jouer ça et ça et faire mon perfect de ténacité en vrai. C'est. Après, est-ce que je préfère pas le garder? Je pense que si je fais les dégâts à 45 sur lui, c'est pas dit que je le tue au prochain tour, donc je pense que c'est pas la meilleure idée. Ouais, je tue lui quoi, mais bon, pour ça, faudrait que j'ai la charge. Même avec la charge, c'est pas dit que je le tue là. Et en vrai, si j'utilise mon perfect maintenant au prochain tour, c'est pareil. J'aurai pas assez d'énergie pour le tuer. Ou alors j'en claque juste un, comme ça, et on voit. Ça nous laisse le plus d'options, je pense. Il fait quoi? Ok, il shield. Et j'ai pas la charge, putain. Du coup, va faut juste falloir tanker ses dégâts, en vrai. Est-ce que je fais ça? Non, ça sert pas à grand-chose. J'aurais pu colère, par contre, j'ai... J'ai perdu l'énergie. Et là on tue. C'est bon. Ah ouais, ça va, finalement ils sont gérables en fait. Mais ça dépend quand est-ce qu'il fait témérité en fait. Je sais pas s'il le fait forcément au bout d'un certain nombre de tours. Ou si c'est un peu RNG. Je sais pas. Ça dépend aussi. Là, la chauve-souris, on a pu la tuer assez rapidement. Si on la tue pas vite, par contre, ça peut être la merde. Vu qu'on peut plus gérer avec les boucliers.
Moins 26 PV à tous les ennemis. Ouais, c'est dommage que je puisse pas vider ma main. Je sais pas, il faudrait plus de sacrifices, je pense, pour ça. Ça, c'est quoi? C'était le shop, il me semble. Ça, c'est vénère. J'avais trouvé pas ça très rentable à faire. Quand j'avais essayé. On pourrait faire genre... genre ça, c'est ok, je pense. Ça me va. Booste toutes les cartes en main, sacrifice. Ou booste une carte. Elle coûte que 1, vas-y, go prendre ça en vrai. Deux serpentins. Les serpentins, ça peut être relou. Ah, en plus, je prends la giga sauce sur ce tour, putain. Abusé. Après, en vrai, si je fais mon perfect tenacité, ça va. Je pourrais frapper étourdissante, je pense que c'est ce qu'on va faire. Éviter de prendre trop cher du poison, quoi. Parce que ce qui va être gênant, là, c'est de... Après, il fait que taper. Ah, il peut pas y avoir plus de 3 mobs contre toi. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Je pense que je vais virer la charge, en vrai. Ok. Lui, il est mort au prochain tour. Ah, quoique non, avec le shield, il est pas mort. Mais le shield disparaît, non? Ah, mais l'autre re-shield. J'ai un doute. Au pire, je me défends juste. Sinon, je peux tuer avec ça. Mais du coup, je prends quand même des dégâts. Si je fais ça et ça... Si je me mets ça, je suis à 30. C'est moins bien, quoi. L'idéal, ce serait quand même de prendre 0 dégâts. En vrai, cette rune, elle est incroyable, hein. Les moins 30, 31 PV à tous les ennemis quand un ennemi est vaincu. Dans ces fights-là, c'est incroyable. D'ailleurs, en vrai, j'aurais peut-être dû perfect sur ce tour. Après, vu qu'il invoque, finalement, peut-être pas si mal de pas l'avoir fait. 10-2, ok. On va faire ça. Il met 10. Du coup, je peux tuer lui, là, ce tour-ci. Oh là, allez, ça, c'est chiant. Mais ça va aller quand même. Que là, lui, faut le tuer par contre. Pour le tuer. Et ça, quoi. Et ensuite, je fais ça. Bah, c'est bon en fait. Nice. Bon, il est pas mort, mais. C'est comme s'il était mort, quoi. Et j'ai perdu, au final, j'ai perdu quoi? J'ai perdu genre 14 PV, je crois. C'est dommage qu'on ait pas de régène. Tain, mais il refait ce coup par contre, c'est chiant. C'est chiant parce que j'ai que ça en shield là. Ah bah ça va finalement, je pars tout. Il le fait en boucle, d'accord, super. Allez, meurs. On a eu de la chance d'avoir ça. Il y avait un monde où j'avais que des plaies. Et j'étais dans la sauce. Alors non, on va jamais remplacer ça. Même si c'est du poison. Non, 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 non. On remplace pas ça. On va aller ici. Et du coup, on avance beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Hein. Je pensais qu'on allait crever encore à l'invocateur, mais non. De l'argent. Plus 20 kama, ou alors plus 120, mais ça coûte 4 d'énergie. Mais ça, je l'ai 3 fois. Vas-y, on va prendre ça. 4 d'énergie, c'est quand même chaud, là, dans ces combats.
On va pas se mentir que je l'utilise bien mon énergie, quoi. Chaffeur fantassin. C'est le mec qui met des plaies et des shields. Ça peut être chiant, en vrai. Ça peut être chiant. Mais si je fais ça, c'est de la merde, non? C'est mon prochain tour, il est dégueulasse là. Va falloir que je tente lui. Va falloir que je tente lui en fait, je pense. J'ai pas trop le choix là. Hein. Ça va être chaud. On va devoir parfait, ça c'est sûr. Tu en fais quoi comme parfait par contre? Faut que je fasse le shield hein. Ouais. C'est pas si mal en vrai. C'est pas si mal. Allez, allez. En vrai il est incroyable ce pouvoir contre lui spécifiquement. C'est incroyable. Hop, il est mort. C'est presque dommage que lui il meure sur... Ah mais non, il meurt pas, du coup il a... Oh, il a clean le poison, c'est vrai. Il me reste combien de ténacité à un tour? ...21, donc là j'ai pas besoin de tankier. Je pourrais jouer ça en vrai. Après je préfère le booster généralement, c'est plus sympa. Est-ce qu'il diminue quand même quand tu le stun? Non. Ok, ça c'est bon à savoir. Hop. Prochain tour, je pourrais jouer ça. Ah, mais lui, je le tue pas par contre, ça c'est chiant. Après, bon, je l'empêche de me faire trop de dégâts, c'est déjà ça. Ah bah si du coup. Oh la pluie de dégâts qui s'abat sur l'ennemi. Allez hop, ça dégage. Ouais ouais. Ouais ça va hein, on perd pas tant de sa vie hein. Bon, par contre quand il y aura ça plus un gros mob ça va être chiant. Plus 9 poisons sur les ennemis en début de combat. Nice ça. Ça c'est cool. Bon, la VOD va être longue, hein, les gars. Désolé, YouTube. Mais j'ai pas envie de couper en plein milieu de donjon non plus. Hein. Je pense que vous non plus, vous avez pas envie de ça coupe en milieu de donjon. Non, je préfère la régène quand même, c'est mieux. Même si on régène pas tant de ça, là. On pourra l'améliorer. Ouais. Bon, ça change rien. Au pire, on fera un deuxième épisode plus court après. On avance, c'est déjà bien, honnêtement. Le stun, on va le garder. Je pense qu'on va juste virer ça en fait.
640 là, tranquillou. Allez hop. Au revoir. Au revoir. C'est quoi ça? Plus de PV après un sacrifice. Pas sûr qu'on en ait besoin de la perte de 9 PV. Du coup, on prend la régène. Hein. En vrai, ce qui fait le plus de dégâts, c'est quand on tue un ennemi. Ça, c'est vraiment bien. Ok, combat d'élite. Ouf. Double chauffeur, ça fait mal. Ça fait mal, va falloir tuer vite, mais ça va être compliqué. Hein. Est-ce que je fais ça? Mais si je fais ça, même en jouant ça, je vais pas jouer des bonnes cartes. Quoi. Du coup, je pense qu'on va plutôt faire ça, puis ça. Puis ça. Incroyable, mais bon. Ça temporise un tour. De toute façon, les premiers tours, on est obligé de temporiser. Hein. Oh. Oh, la pluie de dégâts. Je crois que je vais faire ça et ça. Hein. Aïe. C'est dur. Hein. Là, je pourrais le garder en vrai. Ce qui est chiant là, c'est que je tape pas tant de ça quoi. Je suis tout le temps en train de me défendre. Donc, pourquoi je suis à 45? Bon, là va falloir faire quelque chose. Hein. En vrai, je pourrais tuer lui. Ah bah non, plus maintenant du coup. Non, mais je peux faire ça, en vrai, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Par contre, ce qui est chiant, c'est que avoir lui en premier, c'est pas la meilleure idée. C'est même la pire idée, sûrement. On va s'en débarrasser des plaies, je pense. Ouais, je crois que je veux faire ça en premier. Vu qu'on a de la ténacité, on peut faire ça. Ce serait bien de jouer ça en vrai, vu qu'ils ont pas de shield là. Après, ils ont purge, donc en fait, ça sert à rien, je le joue en premier. Faut quand même que je joue ça, je pense. J'attends le prochain tour pour jouer ça. Idéalement, faudrait déjà attendre que la pureté s'en aille, non? Mais. Enfin, je vais attendre le prochain tour quand même. Je peux même pas le stun, quoi. C'est assez terrible. C'est pas ouf, là, hein, la situation. Il va falloir que je tente leur choc, là. Pas de grosse solution quoi. Si, peut-être fait lui, mais je peux pas. Ah, quoi que en vrai.
fait combien de dégâts? 31, et il a 31 tout pile, donc en vrai je peux faire ça. C'est le mieux. Nice. On tue un du coup. Bon par contre là c'est un peu la sauce avec les deux plaies. C'est même bien la sauce. Ça va qu'il tape pas sur ce tour. De Volvi, ok. J'aimerais bien avoir ma charge. Pourquoi je les stun? Ah mais il est pas sur, il est pas, il a plus la purification. What? Comment ça se fait? J'aurais dû jouer ça, putain. Ah, je me dégoûte. Je peux pas jouer dans le bon sens. Je devrais prendre le temps de réfléchir. Ce serait mieux. 116. Ok, pas de panique. Pas de panique. Je peux jouer ça. Je peux jouer ça, puis ça. Ou alors le stun, en fait, tout simplement. Ok, le stun qui fait plaise. Heureusement qu'il a plus ça. Hein. Tiens. Il se remet de la purification. Allez, il faut mourir maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut mourir. Je peux le tuer lui à ce tour-ci. Il me semble. Alors vu qu'il a régène finalement non. Si je fais ça, je suis obligé de faire ça. Du coup c'est nul. Faut mieux faire ça et ça. 50, donc là je tente tout. On va juste tuer lui. Hein. Let's go. Et du coup, j'ai pas pris tant de ça de dégâts dans ce combat. Hein. Mine de rien. Alors, non, on va garder la régène. Oh là là. Mais en vrai, je pense que ouais, il faut jouer avec des plaies. Hein. Quand tu vois tout ce qu'ils te mettent comme plaies dans le deck, c'est assez incroyable. La vidéo va faire 2 heures. Je vais peut-être la couper en deux. Hein. Je vais peut-être la couper en deux, la vidéo. Si ça dure vraiment trop longtemps. Alors, donc non. 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 Moi, j'aime bien tout ce que j'ai là. Voilà, c'est des bonnes upgrades. Ah, un nouveau mob, chauffeur vétéran. Il fait quoi, Faille? Gagne de l'absorption. C'est-à-dire... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire par là? De quoi tu causes? Oh, je vais lui mettre un coup, là. Il va bien l'absorber, ouais. Il va rien comprendre à ce qui lui arrive. Est-ce que je lui mets maintenant? Je
sais pas ce que c'est l'absorption, donc on le voit peut-être mieux. Alors c'est quoi? C'est quoi cette merde? Annule les dégâts subis, baisse de 1 à chaque attaque absorbée. Ok. Du coup, est-ce que ça compte le poison ou pas? Que le poison a été mis quand même. Ah, le poison enlève un stack et ça baisse de 1. Ok. Intéressant. Intéressant. Remettre de l'absorption. Est-ce qu'il prend le stun? Du coup, je suppose que oui. Nice. Ça, ça vaut pas le coup de le faire, du coup. En fait, c'est un truc qui contre les gros coups, quoi. Donc ça, c'est un peu inutile, là. On va tâcher ça aussi. J'aurais peut-être dû le garder, quand même. Ça, pas 30. Le stun. J'aurais dû faire ça avant. Vas-y, je peux juste faire ça. On lui met tarif. Il se met 8 d'absorption, toujours plus, hein. Toujours plus, n'hésite pas. Il a 21 PV. C'est quoi ça? Explose dans 2 tours. Ah! Bah cool. Je peux pas faire ça quoi. Faut que je la défausse. Ça devrait passer quand même, je pense. 190. C'est des beaux dégâts, ça. Mais tu peux prendre ton stun, hein. Prends-le. Prends donc ton stun. En vrai, sans stun, ça passe pas, par contre. Quoique. Quoique si, ça passe, je crois. Parce que là, j'ai pas fait mon perfect, du coup. Mais si je faisais mon perfect, ça passait. Allez, goodbye, my love. Il a 1 PV. Ok, en vrai ça peut être chiant quand même comme combat avec d'autres mobs. Plus 2 ténacité quand un ennemi est vaincu. Non mais l'autre elle est beaucoup trop utile en fait. C'est beaucoup trop utile les moins 31 PV quand un ennemi est battu. À moins que... En vrai je pense que ça reste utile. Ah quoi que, avec l'absorption là ça peut être chiant. Ouais, ce fight peut être relou, hein. Ce fight peut être relou. Je pourrais faire ça direct. Sinon, je peux faire ça, ça, ça. Et au prochain tour, je lui mets bien cher. Ah, mais il donne l'absorption à tout le monde. Ah, ils auraient pu prévenir. Ils auraient pu prévenir, quand même. C'est un petit détail, quoi. Un petit détail qui compte. Enfin, moi, je pense stun. Faut quand même que je bloque ça. Au pire, je prends juste un dégât. Ça sert à rien que je booste ça, par contre.
J'aimerais peut-être bien piocher avant de faire ça quand même. Je vais prendre 30-40 dégâts dans ce tour. Bah c'est super. Bah c'est super, on est content. Par contre, je pourrais peut-être le tuer rapidement, lui, du coup. Ok. Personne tape sur ce tour. Non, mais si je fais ça, c'est de la merde. Non, si je fais ça ou ça. Du coup, lui, il va avancer. Faut peut-être mieux viser le kill grâce à ça, en vrai. À ce moment-là, on tuera lui en premier. Comme ça, c'est techniquement mieux, je pense. Eux deux, ils vont mourir très vite. Enfin, très vite, vu qu'ils ont l'absorption, peut-être pas, mais... Il va se mettre 8. Putain, mais 8 à tout le monde, c'est un enfer. Il meurt pas lui. Non, mais du coup il met l'absorption. Ah non, il se le met que sur lui là. Ok, c'est déjà ça. Ah, du coup il va pas prendre les dégâts, putain. Un détail ça, j'avais pas anticipé. Il a 8 d'absorption là. 6 d'absorption. Les défenses qui arrivent vraiment au meilleur timing, ça fait plaisir. C'est faux. Le stun, faut que je le garde. Peut-être j'aurais dû tège la défense, hein, quitte à... De toute façon, on peut pas défendre ça, quoi. On attend le tour suivant. Ah, mais le truc, c'est que là, j'ai un tour de merde. Avec autant de défense. Il en reste quoi? Il en reste 2. 2. 2-2. Il n'y a pas un monde où je peux tanker. Je me mets à quoi? 64, 84, plus 50. Non, je prends quand même giga cher. Hein. Je mets les deux, je tape à 45. 45, ça le tue pas non plus, quoi. Je suis baisé, là. Je suis... dans la sauce. Je crois que je suis obligé de prendre ses dégâts. Du coup, à prendre ses dégâts, autant juste... se défendre à maths, hein. Aïe. Aïe. Et il le refait, putain. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça tout de suite. Putain, le timing est short, hein, quand même. Il en reste 2. Au secours.
Au secours, quoi. C'est quand même difficile, hein. C'est quand même bien difficile. Plus 18 armures si votre main est vide. Non, merci. Le marchand, il sert à rien, là, a priori. Là-haut, c'est deux combats, quoi. Et t'as quand même un marchand. En vrai, autant aller là, hein. Ça, ça me tente pas du tout. Hein. Ouais, 18, je vais pas aller bien loin. Hein. On va pas se mentir. 15 d'armure en début de combat. Ouais, non, non. 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 Non, mais c'est bien ce que j'ai là. Je suis content. Je suis satisfait. Au moins, point positif, c'est qu'on aura vu quand même pas mal de trucs là. Oh, incroyable! Non, mais ça arrive jamais ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Je savais même pas que c'était possible de gagner à ce jeu. À ce truc. Alors, il a qui? Un serpentin. Les serpentins, c'est relou. Mais bon, les chauves-souris, c'est encore plus relou. Des cartes plus à votre deck. Ah, il le faisait pas, ça, avant. Ouais, les trucs qui l'empêchent de prendre des dégâts, c'est quand même vraiment relou, quoi. Ça, en fait, c'est surtout ça empêche de jouer avec ça. Ah, c'est marrant, il tape. Il fait pas ses trucs de d'habitude. Il aurait d'autres patterns. Ah, par contre, c'est chiant, là. Faut que je tue, lui. Faut que je tue, lui. Je peux faire ça et ça et je le tue. Et du coup, je prends giga cher. De toute façon, je peux pas me défendre. Donc je crois qu'en fait je prends giga cher dans tous les cas. Après lui il va mourir, donc au final je prends que 30. Enfin que 30. Quand même beaucoup, hein. Ça fait quand même beaucoup. Bah super. On lui a mis cher, c'est déjà ça. Et là c'est 1 contre 1. Remettre des plaies, ok. Est-ce que je veux me mettre le perfect tout de suite? Je pense pas. Ouais, jouer ça par contre. À 26 dégâts, c'est quand même pas rien. Hein. Et ça sert quand même pour enlever ces trucs. Après, j'en remettrai rapidement du poison, mais. Peut-être attendre. Il veut mettre 7 de poison. Ah ouais. C'est marrant, il a vraiment pas du tout les mêmes patterns. On a le stun, du coup on est content. Là je peux le tuer. C'est bizarre quand même. Est-ce que c'est scripté par combat? Je sais pas. 5 PV après un coup critique. Et les critiques, je sais pas là. Enfin, on les voit. Ils sont pas très visibles, quoi. Faut vraiment être attentif pour les voir. Du coup, je suis pas sûr qu'on en fasse non plus hyper souvent. Encore ça. On aura été à l'élite, je pense qu'on va mourir au combat d'élite quand même, avant le boss. Ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'au boss là. Même si j'aimerais bien. Au moins voir à quoi... Un peu ses attaques. Ça m'étonnerait qu'on puisse.
sais pas si on peut en avoir plusieurs des stuns. J'ai 5 PV quand un ennemi est vaincu. Ouais non, ce que j'ai est tellement bien. Bon, j'ai 80 PV, ça va être compliqué hein, quand même. Pas impossible, mais compliqué. Hein. Quoique c'est peut-être impossible en fait, vu que je sais pas c'est quoi les mobs qu'il va y avoir dans le combat. Ça va dépendre hein. Okay. Ajoute de l'absorption à tous les alliés. Oh, ça va être compliqué. Oh, ça va être compliqué. Truc, c'est techniquement t'as pas envie de focus lui en premier quand t'as ça quoi. Et en même temps je pense que au tour précédent c'était quand même pas mal ce que j'ai fait. En vrai ça, je préfère limite qu'il me tape comme ça plutôt que qui mettent de l'absorption. Ça met tellement dans la sauce. Au moins là on leur fait des dégâts même si on on prend quand même assez cher. Et le choc et lui il fait l'absorption. Pourquoi faire ça sinon? Mais je sais pas si c'est rentable. Peut-être j'aurais dû faire le mono cible aussi, je sais pas. J'ai envie de faire ça pour enlever un stack, mais c'est pas rentable, je pense. Je sais pas. Je sais pas si je continue à le focus ou pas, en fait. C'est un peu ça, le truc. Ou si j'essaye de tuer un derrière. Peut-être essayer de tuer un derrière. Limite, sur ce tour, je peux stun lui. En vrai, le stun, j'aurais peut-être dû le garder aussi. Ça, c'est les plaies, on est d'accord? Ouais, c'est les plaies. Quand même me défendre, je pense. Tellement de cartes qui coûtent cher, hein. Faudrait les améliorer pour qu'elles coûtent un de moins. Ah, ah non, putain. Putain, il le fait tellement tôt. Ah, c'est vraiment pas le bon timing là. Donc il meurt pas. Peut-être mieux que je fasse ça. Et je me mets giga dans la sauce pour lui par contre. Je me mets giga dans la sauce d'avoir fait le perfect maintenant. Ah, ça pue.
Ah ouais, ça pue là. Ah, je vais devoir le tanker. Je vais jamais réussir à le tanker. Pour edger le stun, en fait. Si on part de ce principe-là, ça veut dire que... Faut que je tège des plaies. Ça sert à rien de faire ça, mais c'est juste pour s'en débarrasser, en fait. Allez, donne-moi le stun, s'il te plaît. Donne-moi le stun. Ah putain. Je suis à 60. Du coup, je prends 130. Je suis mort. Dommage. Dommage. Bon, on aura quand même été jusque-là, hein. En vrai, et je pense que j'aurais peut-être pu ne pas mourir, là. C'est chaud. Il l'a fait tellement tôt, j'ai trouvé, par rapport à d'habitude. J'étais bien deg. Tous les ennemis choquent. Protection brutale. Là, on a bien level up, là, quand même. C'était une belle run. Putain, mais 2 heures, quand même. 2 heures d'enregistrement. Je pense que je la couperai en deux. Hein. Bah, de toute façon, vous verrez bien sur pour vous YouTube. Bon, du coup, je pense la prochaine fois, on va essayer de se faire un run avec... avec des plaies, je pense. On retire le poison de repos. Ah, c'est pas mal ça. Après, ça coûte 2 quoi. Ah, en vrai, je suis pas sûr que ça vaille le coup de jouer avec la carte qui fait giga mal quand tu. En fonction du nombre de plaies que t'as dans ton deck. Parce que contre l'autre, ça va pas être utile quoi. Je sais pas. Bon, je pense que la prochaine fois on construira tout ça en vrai. Là on va arrêter là. On va voir, mais je pense pas qu'il y ait de nouveaux trucs. J'aurais peut-être dû garder de l'argent pour acheter ici. Tant pis. Tant pis. Bon, en tout cas YouTube, j'espère que ça vous a plu comme VOD. On aura bien avancé quand même, hein. Est-ce que la prochaine fois c'est le boss? On verra. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut!